Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller simplement voir l'incroyable base secrète les amis de Poppy Playtime alias Huggy Boogie les amis, le petit personnage bleu que tout le monde connaît, que tout le monde adore les amis. On va aller le voir, mais bien sûr je vais pas être tout seul dans cette vidéo, je vais m'être accompagné de Talcado le youtubeur les amis. Pour ceux qui le connaissent, il habite juste ici en face de chez moi. Alors d'abord je voulais juste voir si ma voiture était dans mon garage les amis, parce que la dernière fois je crois que Talcado ou ses potes me l'ont plutôt pas mal abîmé etc. Ah bah voilà, regardez les amis, elle est pas du tout chez moi. Bon bah à mon avis, soit elle est chez Talcado, soit elle est simplement en réparation les amis. Ou peut-être qu'elle a été détruite, du coup j'ai devoir en racheter une. Mais on va aller voir ça tout de suite avec Talcado pour pouvoir simplement s'il a une voiture à nous dépanner. De toute façon j'espère qu'il va pouvoir venir avec nous. Mais bien sûr les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et simplement mettre un maximum de pouces bleus. Ça me fait ultra plaisir. Aujourd'hui on tente les amis un petit défi de 3500 pouces bleus. Alors par contre, hop, chez Talcado, tac, ok on va sonner, c'est parti. Ok, donc je sais pas s'il est chez lui les amis, j'aurais peut-être dû regarder avant. Ah, il est là, ok. Awaris, qu'est-ce que me vaut ta venue en ce joli temps du mois de novembre? Oui, c'est vrai qu'il fait très beau pour un mois de novembre les amis, il n'y a pas encore de neige. Ouais, mais il fait très froid. Apparemment il annonce bientôt de la neige sur la map, non? Bientôt, bah début décembre, parce qu'il paraît il neige hein. Ouais, début décembre les amis, il y aura plein de neige dans la map etc, il sera rempli de neige. J'espère qu'il n'y aura pas des avalanches les amis, parce que sinon ça peut être très dangereux hein. Bon, en tout cas Talcado, je suis venu pour deux raisons. Déjà, est-ce que tu veux m'accompagner? J'ai trouvé la base secrète, enfin une base secrète à Poppy Playtime, enfin à Oogie Woogie. Oh, sérieusement? Ouais, et apparemment elle s'est dit qu'elle est tout là-bas là, dans la montagne. Désolé Awaris, mais je peux pas venir hein. Ah, tu peux venir Talcado, super cool les amis. Non, Talcado va pas venir. J'ai plein de trucs à faire frérot. Ouais bah tu vas te libérer hein, tu vas te libérer. J'ai pédalo frère. Je peux pas venir pour venir dans la base de Huggy Woogie. Oh, Talcado, les amis, il fait du pédalo. C'est simplement un petit bateau dans l'eau où il doit pédaler. Du coup, bon, bah, je savais pas que tu faisais ça, Talcado. C'est une nouvelle activité. Ouais, mais c'est mon premier cours aujourd'hui. Malheureusement, bah, je vais pas pouvoir t'accompagner pour aller dans la base de Huggy Woogie. Mais si, t'inquiète pas, Talcado, je vais appeler ton moniteur et je vais lui dire que tu iras demain. En tout cas, voilà, ça c'était la première chose. Et par contre, alors j'ai besoin d'armes, donc je sais plus si t'as ta cachette. Ah, maintenant, du coup, t'as pas encore ta cachette. Elle n'est pas encore faite, Awaris. Ouais, excusez-moi, amis. Talcado, du coup, comme vous savez, simplement, il a une cachette sous. Des abonnés, ils m'ont proposé ici d'en faire genre sous l'escalier comme ça. Il y a de la place. Ah oui, bah oui, il y a de la place. Bah oui, clairement. Il y a un peu de place, ou alors il faudrait. Ou alors je sais pas ce que je fais, peut-être. Bah je sais pas, là, regarde, on peut regarder vite fait si tu veux. Ouais, bah moi, pour alors, moi, je trouve que c'est bonne idée, les amis. Parce que tel que simplement, pour ceux qui savent pas, bah tiens, on va voir ton armurerie de base pour montrer aux abonnés, ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, vous savez très bien, il y a une petite trappe ici. On ouvre, on passe, on va au fond, les amis. Et en fait, c'est un petit tunnel qui simplement bah, mène justement à une petite galerie juste là. Et pas de la galerie Lafayette, bien sûr. Oui, bon. Bon, allez, vas-y, on va prendre des armes. Une petite galerie, les amis, regardez, avec des armes. Bon, tiens, on va se servir. Hop, et du coup, Talcado veut faire une petite armurerie, les amis. Bah, du coup, en haut de chez. Ah, bah, j'ai déjà des munitions. Ok, bon, très bien. Il voulait faire une petite armurerie dans sa maison pour qu'il évite simplement de venir sous terre, etc. Les amis, en plus, il fait giga froid. Et vu qu'on arrive en hiver, bah, il fait encore plus froid. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? T'arrives? Ok, vas-y, viens. Ah, bah, moi, j'ai pris mon arme, hein, tranquille. Mais ouais, du coup, moi, pour moi, ça serait une bonne idée que tu fasses un trou, ben, tu sais, ici, là, que tu creuses un gros trou, ouais, là, dans ton truc, là. Parce que je pense que c'est un abonné qui m'a donné cette idée-là. Ah, ouais. Il se reconnaîtra, je pense. Voilà, bah, si vous avez donné cette idée, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et je vous vois venir, hein, les abonnés qui ont jamais donné d'idée à Talcado. Ils vont me dire, oui, c'est moi qui ai donné l'idée à Talcado, etc. Là, vous êtes des gros menteurs, hein. Bon, en tout cas, c'est parti. Moi je suis armé, par contre. Je suis paré aussi hein. Ok, bah la troisième solution par contre Talcado c'est. Bon, premier truc, est-ce que tu voulais m'accompagner? Oui. Deuxième truc, il y a les armes, oui. Maintenant il faut une voiture Talcado, parce qu'apparemment j'ai une voiture, ah ouais. Les abonnés m'ont dit que t'as cassé la mienne. Non. Si, les abonnés m'ont dit que tu l'avais cassé hein. Il fallait faire quoi? Non, c'est faux. C'est faux, je vais prendre, elle est dans mon garage. Ah ok, ok, vas-y bah. J'espère qu'elle est dans mon garage et que personne me l'a prise. Non, elle est dans mon garage. C'est bon bah ouais, les amis Talcado a plein de voitures, t'entends, il en a deux même, non? Attends. Ah non, il y en a qu'une. Ok, il y en a qu'une. Attends, comment on ferme ton garage? Attends, faut que j'appuie sur le bouton de l'intérieur. Ok, ah oui, par contre, il faudrait peut-être mettre un bouton extérieur. Hop. Ouais, il y en avait, mais quelqu'un l'a enlevé, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un intelligent qui a enlevé le bouton. Bon, en tout cas, les amis, c'est parti. Alors bah là, tu peux faire. Bah, tu peux passer à droite. À droite, tu peux passer, je pense. Ok, bon, à droite ou à gauche? Bah, à gauche. À droite, parce que du coup, faudrait monter sur la montagne. Ouais, voilà, va tout droit. En fait, on monte sur la montagne et c'est vers la tour de. Ouais, c'est vers la tour de SCP-96 en fait. Vers la tour de. Moi, j'avais envie de descendre dans la montagne. Descendre dans la montagne à cheval. À cheval, ta. Oui, bon, d'accord, Talcado. Bon, les amis, en tout cas, c'est parti. Regardez là-bas, on voit le pas de patrouille, on voit même le petit panneau, j'allais dire Hollywood, mais non, c'est Springfield. Et simplement, il va falloir qu'on monte tout là-haut, parce que simplement, la base secrète se dirige en haut, enfin, se trouve en haut, les amis, et simplement, on va y aller. Alors, hey, par contre, Talcado, je sais pas si t'as vu, mais t'as vu les tutos comme ça où j'ai fait des trucs en mode comment vivre dans un arbre et tout. Ça a fait 70 000 vues, je crois, hein, genre c'est hardcore. Ah ouais? Ouais, ça a bien marché, les abonnés, vous kiffez les tutos, du coup, si vous voulez d'autres tutos, dites-moi. Un tuto pour vivre dans un arbre, ça fait 70 000 vues sur la chaîne. 70 000 vues sur la chaîne, voilà, c'est.
C'est cadeau. Mais non. Si, 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 ça, ça vient chez vous. Oui, 50 000, mais c'est énorme quand même. Hein. Mais c'est énorme quand même. C'est énorme. Hein. Du coup, les amis, si vous voulez des tutos, voilà, bah, dites-moi dans les commentaires parce que j'ai vu que vous avez kiffé ça. Je sais qu'il y avait même un tuto à un moment où j'avais fait une vie dans la ruche d'une abeille, ça a fait, je sais plus, 20 ou 30 000 vues, c'était pas mal. Ah, c'est là, c'était 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 là. Ah. Descends, descends, descends. Mais ce que je t'ai dit, regarde, la tour d'SCP 96, elle est juste là, les amis. Là, on a la. Ouais, là, on a la tour de patrouille qui est remplie de toiles d'araignée. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ouais. C'était avec moi, ça, laisse tomber. Ah, ouais, bon, les amis, regardez-moi ça. Elle est pleine de toiles d'araignée. J'espère que vous avez pas fait n'importe quoi vers les tombes là-bas parce que si c'est un. Oula, j'ai pas ça. Attends, t'as le cadeau, viens, on va vérifier là. T'as le cadeau. Non, mais je te jure qu'il y a rien. Ouais, je vais vérifier, les amis, parce que t'as le cadeau quand il dit non. En général, c'est des fois peut-être oui. Ça veut dire qu'il a peut-être détruit les tombes simplement des personnages, etc. J'espère pas. Ok, là, c'est bon, c'est clean. Là c'est clean, ok bon ça va, je crois que t'as le cadeau, dis la vérité les amis. Ah oui, t'as vu c'est clean hein. Ok ouais c'est clean, bon bah là la tour de patatrouille les amis, remplis toi le dernier. Ouais elle est pas clean la tour de patatrouille. Je sais pas qui t'a affronté comme personnage là, mais c'est hardcore hein. Peut-être un Spider-Man. T'inquiète Awaris, t'inquiète. Peut-être non mais justement c'est pas, c'est un peu moi qui ai fait ça en fait. Ah ok, bon les amis. Bon bah dites-moi si vous savez pourquoi il y a toutes ces toiles d'araignée. Si vous voyez les vidéos de Talcado, bah n'hésitez pas à me dire simplement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi je suis au courant de rien. Allez c'est parti, on va rentrer simplement dans cette base secrète. Bon bah du coup c'est bleu. Du coup comme le petit Yugi Wugi. Du coup peut-être ah, que... Oui. Ouais c'est la déduction hein. C'était le... Ah la déduction de malade hein. Ouais c'est, je suis Einstein les amis. Je suis quelqu'un de très intelligent. Je sais que t'es Einstein ouais. Allez c'est parti, on va rentrer dedans les amis. Bon on va essayer de toquer, tiens. On va essayer de toquer parce qu'il y a une porte avec des petites bougies. Ah c'est toi qui toques hein, c'est pas ouais. Vas-y, je toque. Quelqu'un? Non, je crois qu'il y a personne. Hein. Je crois qu'il y a personne, t'as le cadeau. Hein. Je crois que ben, on peut rentrer là, Waris. Et ben, rentrons. Oh, stylé. Ok, bon, les amis, c'est. Oh, c'est stylé. C'est chaleureux, hein. C'est plutôt clean. Ouais, moi, j'aime bien. C'est trop, c'est tranquille. Regardez, les amis, on a des petits vêtements juste là. On a une table, ok. Bon, par contre, j'aime bien. Le petit lit bleu, etc. Les amis, c'est peut-être du bleu. Coup, j'aime bien. C'est peut-être le lit du coup de Huggy Wuggy, ça là. Peut-être. Après, il y a des habits ici. Fais voir. Bon, il y a des culottes, des chaussettes, les amis. Ici, il y a des petites Uggs. C'est des Uggs, ça, les amis. Ouais. Ici, il y a des t-shirts. Ok, bon, ça va. Pour l'instant, c'est que des vêtements, j'ai l'impression, pour hommes. Ah non, il y a des tenues ici pour filles. Bon, bah, peut-être pour l'autre, là, comment elle s'appelle. Kissimissi, je crois que c'est sa copine. Kissimissi. Kissimissi, les amis, c'est la copine de Huggy Wuggy. Et ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille, qu'on continue l'aventure. Ah, c'est parti, on va descendre, hein, les amis. Oh, ouais. Je suis un escalier, t'as peur. Hein. Alors, fais voir. Hop, oh, ah oui, c'est vrai que. Un escalier, t'as peur. Bon, ouais. Bah, on va y aller. Je vais prendre mon arme dans les mains, les amis, on sait jamais. Okay, ouais, bon, moi aussi, je le prends. Ok, il y a une porte, une porte. On toque ou pas? C'est toi qui ouvre. Vas-y, attends, je me mets une munition comme ça, les amis. Et là, on va toquer. Non, j'ai toqué d'abord, on sait jamais. Là, c'est parti, les amis. Y a quelqu'un? Oh, c'est bonjour. Salut Guy Wuggy, comment ça va? Salut Awaris, salut Talcado, ça va? Ça va très bien, on a croisé, bah du coup on a trouvé ta base etc. Et on se demandait si on pouvait la visiter Guy Wuggy. D'accord, mais une condition. Oh, oui d'accord, c'est quoi la condition? Va falloir récupérer de quoi ouvrir ici. Bah c'est facile, regarde, tu as juste ouvrir les trappes. Ah oui, on peut pas passer, les amis, il y a les trappes en fer. Ah mince, il y a une trappe en fer. Ah mince, on peut pas passer, il y a une trappe en fer, les amis. Oh non, ah, moi non plus, je peux pas passer, en fait, il y a une trappe en fer. Ah zut, ma punaise, on pensait qu'il y en avait un. Oh non, il y a une trappe en fer, je peux pas passer. Oui, c'est bon, on a compris, t'as cadeau, tu peux sortir. Bon, les amis, c'est un giga forceur. Ok, bon, en tout cas, les amis, on peut pas passer, comme vous avez vu, du coup, il faut trouver un levier, c'est ça, Guy Wuggy? Oui, c'est ça. Ok, bon, bah, est-ce qu'il est caché quelque part? Parce qu'on va pas chercher un levier non plus s'il y a pas de levier. C'est entre cette pièce et la chambre. On va aller dans la chambre. Bah vas-y, va chercher dans la chambre, moi je vais chercher ici. Bon les amis, apparemment un levier serait caché du coup dans cette pièce. Du coup alors là ici je vois pas d'endroit où on pourrait mettre des choses. Ah peut-être dedans les amis. Non on peut pas les ouvrir les amis, ok. Est-ce qu'il faut casser quelque chose pour y accéder ou pas? Ou pas forcément? Non, pas besoin de casser. Ok donc on le voit directement, ok. Bon bah là les amis il y a de la bouffe et de la pizza peut-être sous la table. Je sais pas les amis, pour l'instant je vois rien. T'as cadeau, tu trouves quelque chose ou pas? Rien du tout, Awaris. Ok, bon, je vais aller aider Talcado, les amis, parce que pour moi, ici, il n'y a rien du tout. Hein. Ça m'a l'air vide, comme le cerveau de Huggy Wuggy. Du coup, c'est parti, les amis, on va monter tout en haut. Alors, du coup, Talcado, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, what? Ah, j'ai cru qu'il avait tout détruit, j'ai dit, oula, non. Ok, donc, est-ce qu'il y a quelque chose, amis? Alors, non. Okay. T'as regardé dans les tiroirs? Moi, je crois avoir trouvé quelque chose pour le coup, là. Ah ouais? Ouais. Fais voir. Ah, tu veux que je le dise ou pas? Oui. Bah, y'a un trou là-bas dans le coin, il me semble. Ouh, y'a pas de trou, qu'est-ce que tu racontes? Si, y'a un trou. Ah, si, y'en a un là, ok. Ah, oui, punaise, ok. Attention, hop, ah bah y'a un levier, y'a un petit levier. Comme des par hasard, les amis, comme des par hasard, y'a un petit levier. Comme des par hasard. Les amis, je sais pas qui a posé ce levier. Bon, par contre, je l'avais vraiment pas trouvé avant que t'arrives.
Ah ouais, ok, bon bah pourquoi pas. Bon les amis, du coup on a fait une petite découverte en même temps. Allez, c'est parti, j'ai trouvé le levier. Alors Ugi, je dois le mettre où par contre le petit levier? Mets-le là. Ici là, alors hop. Derrière la chaise. Comme ça, ok, donc là si oh on monte... Oh, on peut pas passer. Ouais, arrête de faire la bruitie, t'as le cadeau, tu peux passer sur la gauche là, c'est bon. Ah ouais. Allez, t'as le cadeau, tu es arrivé. Ok, bon nickel, bon les amis, ça lag un petit peu j'ai l'impression. En tout cas, c'est non, parti. T'as dit quoi, t'as le cadeau? Non, moi ça va. Hein. Ok, du coup, les amis, c'est parti. On va descendre. Allez, Yogi, tu nous suis. Hop, alors, du coup, c'est quoi là? Ça te cache l'escalier. Tu nous suis. Cache l'escalier, oui, magnifique. Ouais, escalier, exactement. Escalier très beau. Hein, qui me rappelle quelque chose, mais il est très, très stylé. Hein, genre, je vais rien dire. Je sais pas qui c'est qui l'a construit, mais très stylé. Hein. C'est moi. Ah, ouais, c'est toi. Ok. Bon, bah, vas-y, présente-moi ta charmante demeure, mon petit Yogi. Alors, je te préviens, on a le temps. Il y a pas mal de choses à voir. Okay. Tu veux commencer par quelle porte? Je sais pas. T'as le cadeau, choisis une porte, là, celle de droite ou celle de gauche? Plouf. Ok, bon, c'est elle, les amis. Ah, ok. Bon, oh, la cuisine. Oh, la cuisine. Ça c'est l'endroit que tu kiffes, toi, t'as le cadeau de la cuisine. Ah, moi, je bouffe, j'arrive, je mange. Ah, ouais, les amis, si vous savez pas, t'as le cadeau, les amis, c'est une poubelle. C'est-à-dire que simplement, t'as le cadeau, si vous allez au restaurant avec lui, il va manger son plat, mais il va manger aussi le reste de tous les plats de tout le monde. Voilà, on l'appelle la poubelle de table, voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, t'as le cadeau, la poubelle de table, les amis. Voilà. Vaut mieux l'avoir, comme on dit, vaut mieux l'avoir en photo qu'à table, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Ah, voilà, punaise. Bon, bref, du coup, on a la cuisine. Bon, heureusement, les amis, regardez, la cuisine est toute vide, comme ça, ta cadeau ne peut pas manger, le frigo il est vide aussi. Bon, par contre, il va falloir faire les courses à Guigui, non? Oui. Effectivement, j'ai oublié d'aller faire les courses, il va falloir que j'y aille après. Parce que là, vous mangez jamais ou quoi? Enfin, je sais pas, il n'y a pas de nourriture. J'ai à boire là aussi. Ok, oui, bah oui, bon, bah, les amis, regardez, bon voilà, il a du champomis, les amis, le petit Guigui, il adore champomis. Devant un petit match, etc., avec ses paquets de chips. Du coup, voilà, alors on va fermer la porte. Hop. Alors, par contre, elle est où qui s'est mis ici, Guy? Là, elle est pas là pour le moment. Elle est pas là. Elle viendra peut-être en fin de vidéo, c'est ça? Peut-être. Peut-être, ok, bon, c'est pas sûr, les amis, on verra peut-être en fin de vidéo. Ici, deuxième pièce, ok, donc là c'est quoi? Petite salle de bain. La couleur de la salle de bain, elle est vilaine. Par contre, lui, il a un urinoir dans chez lui. Il a pas. Alors, les amis, voilà, Ugi Wugi n'a pas de toilette comme tout le monde. Il a un urinoir, donc ce qu'il y a dans les lycées ou dans les toilettes publiques. Il fait caca dans son lavabo. Voilà. Bon, ça c'est encore une extrême. Ouais. Non, dans le jacuzzi, comme ça, hop là. Bon, les amis, c'est vraiment mature ce que t'as le cadeau, il est en train de raconter. En tout cas, voilà, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ah oui, non, mais c'est vraiment plus. Attends, je fais caca où? Ah tiens, mais du coup dans la baignoire. Ah ok, bon, bah, chacun son délire les amis. Personnellement j'utilise des toilettes tout à fait normales. Je pense que vous aussi les abonnés. Bon, chacun son délire, chacun sa méthode de fonctionner. On va pas juger l'hygiène des gens les amis, ni comment ils font leurs besoins. Bon, on va pas rester plus longtemps ici les amis, parce qu'effectivement il y a des odeurs nauséabondes. Ok, bon du coup ensuite, oula, là c'est du sérieux là, c'est quoi tout ça là? Ouais, ici c'est pour torturer un petit peu. Oui, bon, j'espère que tu vas pas nous torturer quand même, Guigui. On verra, si vous êtes sage, peut-être pas. Ok, mon les amis, je vous rappelle, je sais pas si vous voyez les vidéos de Twinner en ce moment, les vidéos de Diabolo, les amis, il y a Ugi Wugi qui, dans la vraie vie, bah, les embête un petit peu, les amis. Bon, sur la chaîne de Twinner, il est plutôt rigolo, le Ugi Wugi. Sur celle de Diabolo, il fait vraiment flipper, hein. Par contre, alors, moi, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les vidéos de Twinner, Ugi Wugi, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais mec, tu fais que manger des kebabs ou quoi, là? Parce que, mec, c'est hardcore, hein. Mec, il fait un excès de kebab, les amis, sur les tics de Twinner. C'est tous les enfants qui ont pas liké sur cette vidéo. Ah ouais, donc ça veut dire, à quoi? Ça veut dire que si là, les abonnés like pas, tu vas aller venir les manger. Ah oui. Oh punaise les amis, je vous conseille de liker la vidéo et de vous abonner les amis. En plus comme ça on pourra tenter d'atteindre bah du coup les 300 000 abonnés dans le moins de temps possible les amis, ça serait super cool. Bon alors on va ouvrir cette petite porte, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Par contre le Guigui sur la chaîne de Twitter, c'est vraiment une vraie poubelle de table lui. Ah ouais, non mes amis, ouais, c'est vrai qu'il mange beaucoup hein, sur la chaîne de Twitter, le Guigui les amis. Il a limitement envie de manger Twitter, mais bon il se retient tout à chaque fois genre. Voilà, parce que pour Ugi Wugi dans la vraie vie, quand il voit Twinner, bah, il a l'impression d'avoir un Thunder géant devant lui, sauf qu'il se retient. Bon, en tout cas, ici, petit salon, les amis, plutôt stylé. Donc, Ugi Wugi, vu qu'ils sont grands et qu'ils s'y messient aussi, etc., bah, je pense que quand ils dorment sur le canapé ou qu'ils se reposent ou qu'ils regardent un petit film, par contre, la télé, bon, il va falloir investir là. Hein. La télé toute petite. Je pense qu'ils s'allongent, les amis, sur le canapé, comme ça, en long, etc. Du coup, ok, bon, bah, plutôt stylé. Bon, bah, par contre, ouais, faudra que tu changes un petit peu ton salon, hein, parce qu'il y a des pièces qui sont beaucoup plus stylées par rapport au salon. Alors vas-y, sors. Ah, le salon, tu n'utilises pas beaucoup. Ah, tu n'utilises pas beaucoup, d'accord. Et tu utilises plutôt les trucs comme ça là pour nous couper ou ici, pour et nous la cuisine. Et pour nous couper la tête ici, etc. Ou là, tout simplement pour nous jeter des tomates pourries ici dans la tête. Bon, bah pourquoi pas. Allez, tu nous ouvres ici parce que là, j'ai l'impression qu'il faut une clé spéciale là pour ouvrir ça.
Oh, t'as le cadeau, mais qu'est-ce que tu fais? T'es dégueulasse. C'est la porte. Oh, oui, bon, les amis, t'as le cadeau nous fait croire que c'est le bruit de la porte alors que c'était vraiment. Bizarre le bruit de la porte. Qu'est-ce qu'il y a bizarre, ici? Bizarre, hein, l'ambiance ici. Alors, c'est quoi là? Attends. Waouh, les amis, attends, c'est quoi ça? Bizarre l'ambiance ici, hein. Ah, les amis, il a des prisons, bon, bizarre, hein. Bizarre l'ambiance, c'est... hein. Il y a des restes. Par contre, les prisonniers, ils peuvent faire caca, tes prisonniers. Bah, ouais, après ça. C'est vrai que les amis, les prisonniers de Gyogi ont des meilleures toilettes que Gyogi lui-même. Bon, bah, pourquoi pas. Je vais voir si toutes les prisons c'est comme ça, les amis. Bon, ok. Ah, mais regardez. Ah, non, mais là, regardez, il y a un toilette flottant, les amis. Bizarre, les toilettes, hein. Les amis, il y a un toilette ici. Bah, regardez, il y a encore un cadavre ici. Il y a un mec qui s'est pissé dessus ou quoi ici? Fais voir où? Bah, mec, t'as vu, c'est bizarre là. Ah, oui, ils ont des trous. Les amis, regardez, ils font pipi. Ah, mais regardez, c'est dire que la personne est en train de dormir, etc. Là, ça sent. Ah, les amis, c'est vraiment dégueu. Ah, punaise. Attends, ici, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, les amis, j'ai l'impression que c'est plein de petites prisons en fait que Gyogi a du coup chez lui. Par contre, Gyogi, tu mets quoi ici comme prisonnier? C'est les gens que tu manges? Ah oui, c'est toutes les personnes qui s'abonnent pas et qui like pas. Oh punaise, bah les amis, moi personnellement je pense que je vais liker ma propre vidéo et je vais m'abonner, hein. Parce que les amis, c'est du coup n'importe quoi, je vous conseille aussi de vous abonner et de liker. Parce que je prendrais vraiment pas de risque, regardez-moi ça les amis. Ah, mais regardez là les amis, la personne ici elle est clairement dans son pipi. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Ok, bon, Ukiwuki, va falloir que tu changes tout ça là. Bon, ouais, attends, est-ce que t'as besoin d'aide là? Justement, j'aimerais bien que tu me le fasses. Parce que bon, j'ai pas trop le temps. Tu veux quoi, qu'on fasse le ménage dans tes prisons, c'est ça? Ah oui, exactement. Ok, bon bah par contre les amis, je suis en survie, du coup il faudrait que simplement on invoque les... Ah bah regardez, on invoque les droits de la création. Et c'est parti, bon, on va faire un peu de ménage, t'as le cadeau. Bon bah on va nettoyer la piste, hein. Du coup on nettoie la piste, on va mettre... Toi t'as le cadeau, pire, moi je mets des... Je bouche simplement tous les trous, etc. Et toi t'enlèves les corps comme ça là. Les cadavres. Ouais, tu les enlèves. Alors par contre il y a des feux de camp les amis. Ok, bon pourquoi pas. On fait quoi, on les laisse? Je sais pas, demande à Gyogi. Les feux de camp on les laisse ou Gyogi ou... C'est pour le chauffage, comme vous voulez, si vous voulez, bah, tu n'aurais pas si, plus, on peut le retirer. Si c'est pour le chauffage, on laisse au pire des cas, ouais, si c'est pour le chauffage, on va laisser un peu. Ok, bon bah les amis, on va laisser simplement, donc là il y a encore une prison juste ici, ok, donc là hop, on rebouche, il y en a un là, ouais, hop. Ici les amis, regardez, on a un trou là, bon là, regardez, les amis, là simplement, carrément, le toilette, il flottait sur le pipi, hein. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Surtout qu'il y a des toilettes, c'est ça le pire, c'est qu'il y a des toilettes, à moins que les toilettes soient bouchées, hein, je sais pas, Gyogi, tes toilettes sont bouchées ou pas? Ah, je te les entretiens jamais. Ah ouais, donc les amis, il y a de grandes chances que les toilettes sont bouchées. Hein. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est bon, je crois qu'on a terminé de tout nettoyer. Ouais, je crois qu'on a tout terminé. Hein. Ok. Bon, il y a d'autres changements à faire ou pas, Gyogi, là? Oui, viens voir. Ok, j'arrive. J'aimerais bien améliorer. Tu sais, t'as parlé de mon salon. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de ton salon. Eh ben, si tu te plains de mon salon, va le faire. Ah, ok, bon, les amis, je me suis plaint du salon de Gyogi, du coup, il veut que je le fasse. Bon bah t'as le cadeau, moi j'ai trouvé la télé, trouve-toi le petit meuble, c'est genre mode qu'on peut mettre là contre... Ouais, t'inquiète. Les amis, donc c'est parti, on va prendre la petite télé les amis pour simplement bah du coup la mettre... Ah ouais, t'as le cadeau, il est en 2-2, hein. Il a trouvé ça directement. Ouais. La télé, c'est celle-ci je crois. Hop, alors attention. Hop là, ok, vas-y, bah parfait. Là. Petite c'est télé, calme. Alors qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre dans sa salle? Je sais pas, raison. Un peu de bibliothèque je pense, un peu de bibliothèque ça pourrait être plutôt pas mal les amis sur les côtés des murs. T'aimes bien lire toi, Gyogi? Oui, ça va, j'aime bien. Ok, bon, ça c'est encore un grand mensonge, les amis. Ok, du coup, c'est parti, on va mettre des petites bibliothèques. Donc, je vais faire un petit effet. N'hésitez pas à faire pareil sur vos maps, les amis, ça fait super joli, je trouve. C'est que vous creusez un peu. Ça donne des idées en build. Ouais, voilà, regardez, ça fait un peu style, etc. Hop, tac, voilà, parce que. Ah bon, bah là, on va rien faire. Ah si, vu que c'est du bois, regarde, on peut normalement le mettre comme ça. Tac, attends, je vais regarder de l'autre côté si ça a pas fait n'importe quoi. Ah, on va voir la bibliothèque, quoi. Ah oui. Bon, ah ouais. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est joli, mais simplement, regardez, les amis, en pire des cas, ils mangeront, et bah, ils pourront lire un livre en même temps. Un livre en même temps. Ouais, ils ont le livre de cuisine, c'est bon. Ah, ouais, voilà, c'est ça, c'est le livre de cuisine, amis. Vous inquiétez pas, c'est le livre de cuisine. Là. Tout était prévu, les amis, tout était prévu. Alors, hop, du coup, ça c'est bon. On va reculer un peu le petit sofa. On va le mettre comme ça. Hop, tac, ça on va casser. Hop, vas-y, casse. Ouais, part quoi. Hop, c'est parti. Attends, toi aussi, part, t'as le cadeau là, je suis en train de mettre un sofa là. Hop. Voilà, nickel. Bah, regarde, ça fait beaucoup plus stylé, hein. C'est giga pas symétrique, t'es chaud. Bah, tiens, si, c'est bon, c'est symétrique maintenant. Bah, maintenant, oui, mais pas. Voilà, bah, tiens, ce que je te propose, c'est qu'on mette simplement, on va mettre du coup un sofa rose pour du coup Kissimissi, les amis. Ça fera un peu plus joli. Alors, toi, tu te mets du côté droit ou côté gauche, Guy? Côté droit.
Côté droit, ok, bon, bah, je vais mettre ici, hop, pour qu'il s'initie, les amis. Hop là, bon, je sais pas si on va l'avoir dans cette vidéo, les amis, mais en tout cas, regardez, voilà. Le petit salon est amélioré, je sais pas si t'as un cadeau, tu peux me trouver simplement la table basse, c'était pour mettre ici, ça peut te cibler. Ouais, reste tout de suite, reste tout de suite. Vas-y, on dit à vos ordres, chef. Voilà, c'est à vos ordres, chef. Voilà, les amis, comment se fait respecter. Alors, du coup, Sébastien, on va mettre une petite Wii, juste que, bah là, au cas où il veut jouer à la Wii avec sa copine, hein, les amis. Et on va mettre, est-ce qu'il y a une autre console? Je crois pas. Ah, si, il y a la Nintendo Switch, sauf que je sais pas où elle est. Du coup, elle est peut-être ici, les amis. Voilà, regardez, Nintendo Switch, hop, on la pose ici, les amis. C'est parti, regarde, comme ça, vous avez les deux, là. Une Nintendo Switch pour Kissimissi, une petite Wii pour, du coup, Eugie Oogie, les amis. Du coup, c'est plutôt calé, hein. Moi, j'aime bien, personnellement. Hop, vas-y. Ouais, c'est super, c'est super. Vas-y, hop, sortez, tac. Ok, bon, voilà. Non, non, ça, c'est tout amélioré. Est-ce que t'as d'autres choses à améliorer ou c'est bon, mon petit Eugie Oogie? Si t'as deux minutes, j'aimerais bien que tu fasses ici. Il demande beaucoup de choses, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux que je change ici? Comme t'as envie, essaye de l'améliorer et je vais aller chercher peut-être. En vrai, moi, non, mais t'inquiète, t'es pas obligé de l'aller chercher. En tout cas, personnellement, moi, ce que je trouve, okay. Moi, je trouve l'escalier joli. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être changer le sol. On va mettre un sol en bleu, les amis. Ça sera plus dans le thème un peu Oogie Woogie, etc. On va prendre avec Talcado simplement du bleu clair, du bleu foncé. Et on va faire un peu comme ça, regarde, les amis. On va faire Takate, Talcado, hop, comme ça là. Je sais plus qu'on appelle ça. Ah ouais. Un damier, hop là. Les amis, on a le vocabulaire, il est là, les amis. Ah oui, il est là. Ah, le damier, les amis, regardez, tac, tac. Ah, le damier, hein. C'est ça, non? Ah, le damier, ouais, hein. Le damier, tu connais, hein. Ok, ok, allez. On connaît des damiens et vous, vous connaissez les damiers. Oui, bon, hop, c'est parti, les amis, regardez. Bon, allez, allez. Les amis, bon, on est en train de faire simplement la petite déco, hop, tu t'es fail. Hop. Non. Si, hop, voilà, nickel, vas-y, remplis en bleu là. Hop, hop, t'as le cadeau, il est un peu lent, regardez. Voilà, c'est parfait. Zaminamina, eh, ouais, c'est ça, t'as le cadeau. Bon, du coup, en tout cas, regardez, le petit sol est changé. Du coup, alors, c'est bon, ça te va comme ça, Guyogi? Ah oui, c'est super et toute belle ma base. Ouais, toute belle, hein. Bon, en tout cas, Guyogi, je pense qu'on a fini avec t'as le cadeau pour sa mission. Est-ce que tu peux nous laisser partir ou pas? Bon, allez, d'accord. Ok, bon, c'est parti, les amis. Bon, Oogie, cette fois-ci, va pas nous attaquer. Il nous laisse partir tout seul. Bah, du coup, c'est plutôt pas mal pour une fois, les amis. Alors, hop, du coup, c'est parti. On ferme, hop. Ah, et... Ah ouais, clairement, il a cassé le bouton, t'as le cadeau. Et comme ça, il reste coincé. Allez, hop là. Ah ouais, tu veux coincer Oogie, car... Ah bah, attends, ouais, les amis, on va condamner ici. Comme ça, Oogie ne pourra pas sortir de cette grotte. Si vous voulez un jour qu'on retourne voir Oogie, et bah, vous nous le dites, les amis. En tout cas, c'est parti. T'as le cadeau, tu aimes trop le collage. Je t'ai vu fermer la porte, hein. Si. Hop, ok, bon, les amis, c'est parti. Voilà. Ah, t'as cadeau, t'arrêtes. Eh, oh, les amis, t'as cadeau. Je me tire, je me demande pas pourquoi j'ai parti. Ah, allez, bon, du coup, les amis, c'est parti. On prend la voiture et nous, on rentre en direction la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de pouces bleus, à mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez préféré dans la vidéo, les amis? Est-ce que vous voulez revoir Oogie Woogie sur la chaîne YouTube? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec lui? J'ai plein d'idées de vidéos, en tout cas, ça va bientôt sortir, les amis. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu fais là, t'as le cadeau? Il va où? On est détails, nous, on roule. Ok, bon voilà, t'as le cadeau en train d'écraser un peu tout le travail que j'ai fait, c'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà. Ouais, d'accord, t'as le cadeau. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, voilà, je compte sur vos amis pour vous liker, pour vous abonner, tout simplement, pour faire tout ce que vous avez besoin de faire et tout ce qui pourrait me faire plaisir. On se dit à la prochaine, c'était Avarice et t'as le cadeau. Ciao tout le monde! Ciao les potes.